Bonsoir. Écoutez, ça fait très plaisir de voir que vous êtes nombreux. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux et bravo pour votre musée qui est, j'ai vu à toute vitesse, mais qui est à la vitesse du Shinkansen, mais il est très impressionnant. Voilà, donc ce soir, je vais vous parler du cerveau, de l'IRM et plus particulièrement du cerveau du musicien qui, vous allez voir, est une bête un peu spéciale. Voilà, alors, si je peux avoir la première diapositive. Bien. Alors, comme je ne suis pas certain que vous sachiez tous ce qu'est le cerveau, comment ça fonctionne, je vais faire un petit rappel qui va nous prendre on va se promener un petit peu dans le cerveau avant d'aborder le cerveau du musicien. On va voir le cerveau de tout le monde. D'abord, il faut savoir que c'est un peu comme la politique. Le cerveau est organisé en régions, sauf que les régions ne changent pas tout le temps. La première fois où il y a eu un lien entre l'idée que certaines fonctions étaient liées au cerveau, bien finalement, c'est dans ce papyrus que vous n'avez peut-être pas dans le musée. Pour ceux qui connaissent l'Égyptien ancien, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns dans la salle, vous voyez que ce mot-là, c'est le mot cerveau. C'est la première fois qu'a été mise en évidence qu'un soldat qui avait été blessé au cours d'une action et qui est devenu aphasique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus parler, eh bien, c'est la première fois qu'on a fait un rapport entre le fait qu'il avait été blessé au niveau de la tête et donc de son cerveau et le fait qu'il avait un trouble du langage. Ça paraît évident aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout, hein, puisqu'on parlait de tas de choses dans le corps. Les Égyptiens en particulier, dans leur momie, ne mettaient jamais le cerveau. Mettez le cœur, mettez le foie, etc. Parce que pour eux, le cerveau, c'était un simple radiateur. Puisque, justement, l'expression garder son sang-froid vient de là. C'est le cœur qui s'emballe quand on a des émotions et c'est le cerveau qui refroidit. Mais voilà. Alors, en fait, pendant longtemps, on n'a rien compris au cerveau. Vous voyez ici l'ancêtre de l'IRM, un appareil où on enfournait les gens et puis sortait de là tout ce qu'il y avait dans leur tête. Voilà, donc vous allez voir qu'on est enfin arrivé à faire à peu près la même chose. Et puis, finalement, la grande révolution, ça a été la découverte par le chirurgien français Broca, qui sévissait à l'hôpital de Bicêtre, et qui avait un malade qui maintenant célèbre, qui s'appelait Monsieur Le Borgne. On l'appelait Monsieur Tant, parce qu'il avait un trouble du langage. Monsieur, comment vous appelez-vous? Tant, quelle heure est-il? Tant, etc. Donc, il ne pouvait pas parler. Et Monsieur Broca, attendu qu'il décède, ça a été très rapide, a récupéré le cerveau. Et là, a émis deux hypothèses fondamentales qui ont changé pour toujours notre façon dont on comprend le cerveau. Le cerveau a deux hémisphères, un gauche et un droit. Et Monsieur Broca a dit, c'est parce que la lésion est du côté gauche que ce malade a un trouble du langage. Il fallait quand même le penser. Et deuxièmement, c'est parce que la lésion se trouve là, à l'avant, dans le lobe qu'on appelle le lobe frontal du cerveau, qu'il a un trouble du langage. La lésion était ailleurs ou à droite, ce patient n'aurait pas eu trouble du langage. Il aurait peut-être eu autre chose, mais pas de trouble du langage. Donc, cette hypothèse-là s'est vérifiée, et donc depuis, on sait que le cerveau est organisé en régions. Alors, comment est-ce qu'on a fait toutes ces découvertes? Eh bien, comme celle de Monsieur Broca, il y a eu des malades, et les malades sont décédés, on a récupéré leur cerveau, et on a fait un lien entre la localisation des lésions et les troubles fonctionnels dont souffrait le patient. Et vous voyez que pour étudier des gens bien portants, c'était plus compliqué. Donc, c'est pour ça que l'imagerie est devenue intéressante, puisqu'on pouvait faire des images du temps, du vivant, du malade. Alors, donc, aujourd'hui, on fait des images extraordinaires donc du fonctionnement du cerveau, de ce qui se passe dans votre tête quand vous réfléchissez. Surtout, l'imagerie a permis de voir du vivant du malade les tumeurs, par exemple, les lésions, pour que le chirurgien puisse opérer. C'est un peu, on fait la cartographie GPS, si vous voulez, pour le chirurgien. Donc, en tout cas, ça nous permet de voir en direct ce qui se passe dans le cerveau. Ça permet de regarder aussi nos comportements, comment est-ce qu'on apprend une langue étrangère, comment est-ce qu'on communique entre nous, etc. Donc, tous les aspects sociétaux, on commence à les aborder avec l'imagerie et on voit qu'il y a des régions spécifiques qui nous font nous reconnaître entre nous, etc., etc. Et bien sûr, c'est une question philosophique, à savoir d'où venons-nous, comment est-ce qu'on fonctionne. Et d'abord, la question primaire, c'est est-ce que le cerveau humain pourra un jour se comprendre lui-même? Certains pensent que non. On verra. Alors, donc,
on part quand même du principe qu'on va quand même voir quelque chose dans notre cerveau. Et pour ça, on va utiliser une méthode d'imagerie. Donc, il y en a plusieurs. Je vous parle de celle qui est ma favorite, qui s'appelle l'imagerie par résonance magnétique. Je suis certain que dans la salle, certains ont déjà eu un examen. Mais je vous rappelle à quoi ça consiste. Donc, on va mettre les gens dans un cylindre qui est en fait un aimant gigantesque qui produit un champ magnétique important de l'ordre de, ça dépend de l'aimant, mais ça peut atteindre 30 000 fois, 60 000 fois le champ magnétique terrestre, celui qu'on aura un Eurospin dans quelques temps, mais qui ne sera pas fonctionnel avant plusieurs années, atteindra 223 000 fois le champ magnétique terrestre. Avec cela, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va s'intéresser principalement aux molécules d'eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aimanter les noyaux d'hydrogène qui sont dans la molécule d'eau, H2O, hein, rappelez-vous. Donc il y a de l'hydrogène et le champ magnétique va aimanter ces noyaux d'hydrogène. Alors, on ne sent rien du tout, hein, c'est tout petit. Et avec des ondes radio, les mêmes qui sont utilisées pour la radio, la vraie radio, eh bien on va chatouiller cette aimantation. Autrement dit, avec des ondes à une fréquence de quelques dizaines de centaines de mégahertz, on va modifier l'aimantation de ces protons, des noyaux d'hydrogène de l'eau, qui sont des protons, et pendant quelques instants, quelques courtes fractions de secondes, et aussitôt après, les molécules d'eau, via leur noyau d'hydrogène, vont réémettre des ondes radio. C'est pour ça que je parle de champ des molécules d'eau. Et avec un ordinateur, je vais pas vous faire un cours de physique, hein, on peut reconstituer point par point l'aimantation de ces molécules d'eau. Donc vous voyez que ça, c'est une image d'un de mes collègues. Ce n'est pas une coupe de cerveau, c'est quelqu'un qui est parfaitement bien portant, enfin j'espère. Et vous voyez qu'on voit un tas de détails, la matière blanche, la matière grise, on va revoir tout ça, les vaisseaux sanguins, etc., etc. Voilà, donc ce qui est important à voir, j'ai fait une faute d'orthographe, là, je n'avais pas vu, c'est que c'est un avatar du cerveau que l'on voit ici. C'est l'aimantation des molécules d'eau du cerveau. Alors, en général, les gens qui font l'IRM ont complètement oublié ça. Mais au début, c'était important parce qu'on s'apercevait, par exemple, que chez certaines femmes, l'avant du cerveau disparaissait. Il manquait le bout de l'avant du cerveau. Donc, c'était quand même un peu ennuyeux. Certains ont tout de suite dit « Ah, bon !» Et en fait, l'explication a été trouvée, c'est que certaines femmes mettent du mascara et le mascara, parfois, contient des pigments d'oxyde de fer. Voilà. Et le fer qui se trouve dans ces pigments va changer le champ magnétique local. Et l'ordinateur se prend les pieds dans le tapis et n'arrive plus à reconstituer les signaux. Donc l'avant du cerveau disparaissait. Mais c'était... Voilà. Donc c'est juste pour vous dire, c'est un avatar. Mais beaucoup de mes collègues l'ont oublié. Donc quand ils ne voient rien, avant de se précipiter en disant « bah, il n'y a rien », il faut réfléchir. Voilà. Donc avec ces images, on peut obtenir des choses extraordinaires. Vous voyez, on peut voir l'aimantation... Des vaisseaux sanguins. Tout à l'heure, ça marchait. Là, ça ne marche plus. Bon, c'est pas grave. Le petit film ne marche pas très bien. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref, on peut faire des images très précises de l'intérieur du corps. Mais aujourd'hui, on va parler surtout du cerveau. Alors, déjà, il faut savoir d'où vient le cerveau. Et grâce à l'IRM, justement, on peut faire des images à trois dimensions. Il n'y a pas de radiation, hein, à part les ondes radio. Mais c'est des ondes radio tout à fait standard. Donc, on peut se permettre d'étudier les fœtus in utero, voir ce qu'ils font, c'est sur leur pouce, etc. Et surtout de voir comment le cerveau se construit. Vous voyez, le cerveau, ça commence par quelque chose qui est tout lisse, puis ça va devenir de plus en plus compliqué, ça va se plisser. Et grâce à tout ça, on peut le voir grâce à l'IRM. Et on peut aussi faire des images extraordinaires. Par exemple, ça, c'est un embryon de souris de 21 jours, c'est-à-dire la moitié d'une grossesse de souris. C'est rapide, hein, chez la souris. Et voir donc comment se développe tout ce cerveau. Alors, ce qu'il faut comprendre... c'est qu'au début, le cerveau, c'est un tube, un simple tube. Et les neurones vont pousser, ils vont être fabriqués, à un taux qui peut atteindre 250 000 neurones par minute. Vous voyez, c'est quand même une usine à neurones importante. Hein. Et ces neurones, ils vont être produits au centre de ce tuyau, et ils ne vont pas avoir assez de place pour tout le monde, puisque quand on va naître, on aura tous nos neurones de présence, c'est-à-dire 100 milliards à la naissance. Donc, pour arriver à caser tout le monde, c'est un peu comme les côtes bretonnes ou les côtes corses. Moi, je suis plutôt breton, hein, c'est comme ça. Donc, c'est très, très pissé. Donc, comme c'est très pissé, ça augmente la surface des plages. Donc, ça fait que tous ces plissements que vous avez là, ça permet d'avoir une surface très importante où les neurones vont pouvoir se caser. Et comme vous savez maintenant que chaque région cérébrale est liée à une fonction, il y a des neurones qui vont aller se mettre à l'arrière
ils vont faire quelque chose qui est lié à la vision, d'autres qui vont se mettre dans la région de Broca, de tout à l'heure, qui vont être liés au langage, d'autres qui vont aller dans la région de motricité. On ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi et comment ces neurones décident où ils veulent aller, sur quelle plage ils veulent se terminer leur vie, puisqu'après, une fois qu'on les a, on ne fera que les perdre petit à petit au cours de notre vie. Voilà, et c'est comme ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la naissance, ce n'est pas tellement le nombre de neurones qui va compter, c'est surtout comment ils sont connectés. À la naissance, le cerveau fait 350 grammes, et à la fin de la puberté, il fera 1,4 kg. Donc, entre les deux, sachant que les neurones n'ont fait que disparaître, il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez. Donc, il va falloir, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Mais ce qui compte, vous allez tout de suite le voir, c'est que les neurones sont à la surface du cerveau, ce qu'on appelle le cortex, donc au nombre de 100 milliards, ça fait à peu près 2 à 4 mm d'épaisseur, et ces neurones vont se connecter entre eux. Donc chaque neurone, à la naissance, est connecté à environ 500 autres neurones. Donc imaginez, un neurone, c'est un téléphone portable, 500 contacts à la naissance. Voilà. Mais il y a 100 milliards de téléphones portables dans le cerveau, hein. Ça fait quand même un paquet. À la fin de l'adolescence, enfin chez certains, quand ils seront adultes, il y aura jusqu'à 10 000 connexions par neurone. Autrement dit, ces téléphones portables auront 10 000 contacts à la fin de l'adolescence et il y en aura toujours à peu près 100 milliards. Donc vous voyez, le nombre de connexions est considérable et c'est ça qui fait qu'on est tous différents les uns des autres. Vous voyez par exemple ici, c'est un cerveau standard. Vous voyez qu'il y a des plis. Ces plis sont en gros les mêmes chez tout le monde, mais varient un petit peu. Ce pli ici, qui sépare les régions motrices et sensitives, donc a été tracé en rouge chez une centaine de personnes. Et on voit que sa position peut varier de plus d'un centimètre. Donc il y a une grande variabilité qui est liée à l'environnement. Alors, je vous donne des exemples très précis. Un cas assez connu, c'est celui des chauffeurs taxi. Alors j'ai marqué professionnel et londonien, parce que ces temps-ci, chauffeur taxi, bon, ça... Voilà. Donc comme ça, au moins, je suis tranquille. Et donc, on s'est aperçu que ces chauffeurs taxi londoniens, quand on faisait des images IRM, il y avait une petite région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui est liée à la mémoire. Eh bien, elle est plus grosse chez les chauffeurs taxi professionnels londoniens que chez les gens standards qui ne sont pas de chauffeurs taxi londoniens. Voilà. Et même les chauffeurs de bus n'ont pas de grosse hippocampe. Donc, en fait, il faut bien voir que l'hippocampe, c'est le prix Nobel de 2014, c'est une sorte de GPS interne au cerveau. Donc, les chauffeurs taxi, cette étude a été faite en 2000, hein, c'était avant les GPS, hein, maintenant peut-être que c'est plus comme ça. Mais en tout cas, donc ils apprenaient à s'orienter, etc. Ça, c'était des gros efforts. Et donc, à force de faire ces efforts-là, eh bien, ils faisaient grossir cet hippocampe. Je vous signale, parce qu'on ne va pas tellement en reparler aujourd'hui, vu que mon exposé va être plutôt sur le cerveau du musicien, dans la maladie d'Alzheimer, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que l'hippocampe devient de plus en plus petite. Elle s'atrophie, et c'est pour ça que les gens ont des troubles de la mémoire. Voilà. Donc, bah, si j'avais ça dans la diapositive. Voilà l'hippocampe, vous voyez, donc cette structure très compliquée ici. Donc, à 7 Tesla, 140 000 fois le champ terrestre, on commence à la voir avec un certain nombre de détails, à pouvoir la mesurer chez des malades qui ont un mal d'Alzheimer. Mais avec notre aimant à 11,7 Tesla, c'est-à-dire un aimant qui aura 223 000 fois le champ terrestre, on espère voir l'hippocampe avec beaucoup plus de détails pour un Alzheimer. Alors on commence déjà à regarder le cerveau du pianiste. Le cerveau du pianiste, il a un peu plus de matière grise dans certaines régions cérébrales. Autrement dit, à force de jouer du piano, eh bien certaines régions cérébrales vont se développer différemment que chez d'autres, en particulier les régions qui sont liées au mouvement des mains et à la coordination du mouvement entre les deux. Donc vous voyez que on va reparler du cerveau du pianiste plus tard, c'est un sacré animal celui-là. Et je suis pianiste, donc je peux me dire moi-même. Mais donc, vous voyez, donc, le fait de jouer du piano a changé la structure du cerveau de cette personne. Et en effet, il faut comprendre que le bébé, quand il naît avec tous ses neurones en place, en fait, même pendant la grossesse, il est soumis à des tas de stimuli. Donc, son cerveau va refléter l'environnement. Ce que je dis parfois, c'est que le cerveau, c'est de la pâte à modeler et qu'en permanence, les connexions vont se faire et se défaire. Donc, par exemple, à la fin de cette conférence... Eh bien, je suis désolé, mais j'aurais modifié un petit peu votre câblage intracérébral. J'aurais changé un peu les façons dont certains de vos neurones sont connectés. Rassurez-vous, vous aurez aussi changé les miens parce que c'est réciproque. Mais imaginez la responsabilité de l'enseignant qui, lui, a dans sa classe que de la pâte à modeler, là, et il va la manipuler pour faire ce qu'on est, quoi. Voilà. Alors, on peut faire mieux maintenant. Ça, c'est de l'imagerie statique. Vous êtes dans l'aimant, on fait des images, on voit votre cerveau, très bien.
Mais on peut voir maintenant le cerveau fonctionner en direct. Quand vous regardez l'écran, ce que l'on sait, c'est qu'à l'arrière du cerveau, ici, il y a quelque chose qui se passe qui nous permet de voir et de comprendre surtout ce que l'on voit. Donc en fait, l'information arrive dans les yeux, passe par les nerfs optiques, arrive sur un relais qui s'appelle le corps genouillé latéral, arrive à l'arrière du cerveau, où c'est très étalé, et ensuite, ça va remonter vers l'avant de votre cerveau, et vous allez dire, « Ah, mais c'est ma grand-mère !» Voilà, enfin, ce que vous voulez, mais voilà comment ça marche. Alors, on voit tout ça on le savait déjà quand même, mais par IRM, on commence à voir tout ça de façon extrêmement précise. Et la méthode qui est utilisée aujourd'hui, c'est une à d'autres, mais celle qui est la principalement utilisée, utilise le coup de chance que le cerveau donc, contient beaucoup de sang, et dans les régions qui sont en train d'être activées, qui fonctionnent, il y a un peu plus de sang qui arrive. Or, vous savez que le sang est rouge. Et vous savez pourquoi il est rouge? Parce qu'il y a des globules rouges. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que les globules rouges sont rouges? Parce qu'ils contiennent un pigment qui s'appelle l'hémoglobine. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'hémoglobine, il y a un atome de fer. Alors, ce n'est pas le mascara, mais c'est à peu près la même idée. Donc, le fer qui est dans l'hémoglobine circule dans les globules rouges. Et donc, il faut considérer qu'il y a des petits aimants qui vont circuler en permanence dans ces petits vaisseaux sanguins. Et les molécules d'eau qui sont autour vont voir leur aimantation chamboulée par le passage de ces petits aimants. Donc, si d'un seul coup, vous augmentez la quantité de sang dans cette région-là parce que vous êtes en train de l'utiliser, eh bien, vous allez changer l'aimantation. Et bon, le signal qu'on va voir est très, très petit. Le changement est très petit. Mais grâce à un ordinateur, on va pouvoir récupérer l'information et dire... Voilà, par exemple, une coupe de cerveau, l'avant, l'arrière. Et la personne, là, on lui a demandé de fermer les yeux et puis de regarder, par exemple, l'écran. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on montre sur cette image les régions où l'aimantation de l'eau a changé. Ce qui veut dire, non, rendez compte, l'aimantation de l'eau a changé. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de sang qui est arrivé dans ces régions. L'ordinateur vous met en couleur les régions où il y a plus de sang qui est arrivé. Et il y a plus de sang qui est arrivé parce que ce bout de cerveau a travaillé. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, tout ce gros truc-là, cette grosse patate-là, c'est tout le système visuel. On voit même les deux petits corps genouillés latéraux, les relais qui sont activés. Voilà. Alors, première fois, on a fait ces expériences-là. Moi, j'étais aux États-Unis, début des années 90. C'était extraordinaire. On mettait quelqu'un dans l'aimant et vous pouviez voir ce qui se passait dans sa tête. Et une des toutes premières expériences que j'ai faites était la suivante. C'est-à-dire, mais alors, quand on voit dans notre tête, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, là, vous êtes en train, vous fermez les yeux, vous êtes dans le noir. Imaginez un chat. En général, on y arrive. Hein. Ce n'est pas évident hein, comme question. Ça veut dire que vous savez ce que c'est qu'un chat, que vous en avez déjà vu dans votre vie, etc. Donc, vous voyez le chat dans votre tête. Où est-ce qu'il est, le chat? Donc, on a fait l'expérience pour de bon. Alors, en anglais, c'était aux États-Unis, mais ça marche dans toutes les langues. Hein. Donc, vous dites à la personne chat, au bout de 8 secondes, stop. Et puis, après, à 14 secondes, est-ce que votre chat il avait les oreilles pointues? Je ne sais pas, est-ce qu'il a 4 pattes? Ça, je n'ai pas besoin de voir. Mais... Donc, il faut aller revoir l'image mentale du chat. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, image IRM, l'avant, l'arrière, le haut, le bas, la région visuelle primaire, c'est-à-dire qui sert à voir le monde réel. Eh bien, vous voyez que quand on pense au chat, eh bien, on change. C'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, mes collègues qui font l'IRM fonctionne ont oublié tout ça. On change l'aimantation des molécules d'eau dans la région visuelle primaire, celle qui sert à voir le monde réel. C'est ce qu'on voit sur nos images. On voit que l'aimantation de l'eau a changé, là, parce qu'on a utilisé cette région cérébrale. Autrement dit, la région qui sert à voir le monde réel et le monde imaginaire, ben, c'est la même. Donc, on n'est pas étonné de voir qu'il y a besoin en permanence de voir où on est. Donc, quand il y a un accident, on demande des témoignages à beaucoup de personnes. Si on avait une caméra vidéo ici, il suffit d'avoir vu une fois, et puis c'est bon. Hein. Donc, ce n'est pas ça. Il faut donc effectivement qu'il y ait des interactions avec le reste. Alors, on peut aller plus loin avec ces images du fonctionnement cérébral. On est de plus en plus indiscret. Et je ne vous serais pas surpris que, en fait, le cerveau est très bien organisé, un peu comme votre appareil photo, votre caméra. Ce qui arrive par le haut va en bas, ce qui est à gauche va à droite, on s'est croisé, peu importe, c'est comme ça, avec une très grosse distorsion pour le centre. C'est pour ça que c'est au centre que l'on voit le mieux. Alors, ici, comme expérience, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des images IRM, et avec un ordinateur, on a gonflé le cerveau qui est tout plissé pour mieux voir ce qui se passe sur la surface. C'est un truc, mais bon. Et ici, ce qui a été fait, c'est qu'on a montré à des volontaires dans l'aimant un objet... horizontale.
Et sur ici, on a montré un objet vertical. Par exemple, un stylo. Par exemple. Ce n'est pas un stylo, mais peu importe. Ce que l'on voit, c'est que selon qu'on voit un objet horizontal ou vertical, eh bien, ça ne va pas au même endroit dans le cerveau, ce qui est logique, puisque je vous ai dit que c'était un peu comme un appareil photo. Ce n'est pas tout à fait au même endroit. Et après, on a été plus loin. Donc, les gens sont dans le noir. On leur dit, est-ce que vous pouvez imaginer l'objet horizontal ou vertical? Vous ne nous dites pas. Vous dites, vous pensez dans votre tête. Et là, vous voyez que, ici, on peut penser avec 99% de chance d'être bon, que la personne est en train d'imaginer le stylo horizontal. Et là, avec très, très grande chance, que le stylo est vertical. Donc, on arrive maintenant à voir un petit peu ce quoi les gens pensent. On n'a pas la marque du stylo, on n'a pas la couleur de l'encre, mais on y travaille très fort. Voilà. Par contre, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est à demander à des gens d'imaginer des lettres, un A, un H, un L, voir les grandes lettres dans leur tête, et on arrive à lire sur nos images que la personne est en train de penser à ces lettres. Donc voilà à peu près où on en est aujourd'hui. Et donc de plus en plus, on arrive à avoir une interface entre ce à quoi on pense, donc je pourrais donner plein d'exemples comme ça, mais je n'aurai pas le temps, et la réalité. Par exemple ici, vous voyez, les Japonais aiment beaucoup ce jeu de pierre, ciseaux, papier. Hein. Les enfants jouent à ça souvent. Donc voilà, on tend la main, et puis celui qui parle le papier, bah, il perd, hein, c'est le ciseau, quoi, etc. Donc la personne est en train de bouger la main. Voilà. Pendant ce temps-là, on acquiert ces images. L'ordinateur va regarder là où l'aimantation de l'eau a changé. On le laisse libre, l'ordinateur. Hein. Ils sont intelligents, les ordinateurs. Donc il a trouvé qu'ici, il y a quelque chose qui bougeait. Évidemment, c'est la région qui contrôle le mouvement de la main. Et l'ordinateur va récupérer les signaux, et à plusieurs centaines de kilomètres de distance, via Internet, les signaux vont être envoyés sur des petits moteurs dans une main artificielle. Et la main artificielle, elle va reproduire ce que fait la personne dans l'aimant. Vous voyez ? Et on fait même plus fort que ça maintenant, puisque vous savez que penser et voir et imaginer, c'est pareil. Et je vous verrai tout à l'heure avec des exemples, que bouger et simplement penser à bouger, c'est pareil. Donc le coup d'après, la personne ne fait plus rien. Elle pense simplement. Elle pense à ciseaux, pierre, papier, ou à n'importe quel mouvement de sa main, en fait, sans la bouger. L'ordinateur décode, envoie ça à une main à distance, et vous voyez la main qui danse, qui fait les mouvements que la personne est en train d'imaginer. Voilà. Donc vous voyez que pour les handicapés, par exemple, ou les personnes qui auraient un traumatisme cérébral, la puissance hein, de ces expériences... Je crois que Toyota a mis en place une chaise pour handicapés qui est pilotée par la pensée, comme ça. Alors, ce n'est pas une IRM, hein, si on a la chaise, elle n'irait pas loin. C'est simplement un casque qu'on met, un casque d'électrocéphalographie, sur la tête de la personne. Et la personne, dans sa voiture, elle pense simplement, avance, arrête, à gauche, à droite, en japonais. Mais voilà. Et la chaise suit. Voilà. Alors, ce n'est pas la Google Car. La Google Car conduit toute seule. Mais voilà, mais bientôt vous pourrez dire à votre Google Car, ben, je voudrais aller au supermarché du coin, etc. Par la pensée. Alors, tout n'est pas parfait. Le cerveau, c'est comme Microsoft, c'est plein de bugs. Donc, vous voyez ici, un flux qui était enregistré. Bon, c'est pas grave. Vous parlez de Microsoft. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez normalement des points noirs. D'accord ? Et puis, plus vous cherchez à les voir, et moins vous les voyez. Hein? D'accord? Bon. Eh bien, en fait, il n'y a aucun point noir. L'image a été construite par ordinateur. Il n'y a pas de point noir. C'est votre cerveau qui les rajoute. Vous voyez? Donc, confiance limitée. Hein? Autre exemple classique. Figure ambiguë. Alors là, normalement, il y a la moitié d'entre vous qui vont voir un vase blanc. Et la moitié d'entre vous qui va voir... deux visages, d'accord? Le problème, c'est que cette moitié-là, elle change toutes les secondes. Alors, vous voyez l'un, vous voyez l'autre. Vous ne pouvez pas voir les deux à la fois. Alors, qui est-ce qui décide que ce que vous allez voir? Est-ce que vous croyez que c'est vous? Eh bien, non. C'est votre cerveau. Avant que vous le sachiez. Donc, on a fait l'expérience. Ici, on présente ce stimulus ambigu. Donc, il n'y a pas de vérité. Hein. C'est... vous voyez ce que vous voulez. Bon. Pendant 150 millièmes de seconde, puis ça s'efface. Et on demande à la personne, si vous avez vu le vase, vous appuyez avec le bouton de gauche, une souris. Si vous avez vu les visages, vous appuyez à droite. Pas compliqué, hein, voilà. Et nous, on regarde comment l'aimantation des molécules d'eau a changé. Alors, petite parenthèse, à l'arrière, en dessous de notre cerveau, il y a des régions qui sont spécialisées. Des régions qui sont spécialisées dans la reconnaissance des
des objets, comme les, d'autres dans la reconnaissance des visages. Et pour ceux qui sont allés à l'école et qui ont appris à l'école, il y a des régions qui sont spécialisées dans la reconnaissance des mots. Alors, ce n'est pas une blague que je dis là, parce que l'étude a été faite aussi chez des illettrés, et ben, ils n'ont pas, ça. Par contre, ils ont des autres régions qui sont plus développées, hein, parce que le cerveau s'arrange pour faire autre chose. Bon, la parenthèse est refermée. Vous avez une région ici qui détecte les mots, une région qui détecte les visages et les objets. En fait, notre cerveau, de façon inconsciente, est sans arrêt activé. Il se passe des tas de choses dans votre tête que vous ne savez pas. Et si on regarde cette expérience-là, alors c'est un peu compliqué, les courbes, je sais bien, mais je vous explique. Au temps zéro, c'est le moment où on présente le stimulus ambigu. Voilà. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'au bout d'un certain temps, la personne va appuyer sur un bouton, donc il y a prise conscience de quelque chose. Et regardez ce qui se passe dans cette région-là, qui est la région des visages. Deux secondes avant que je présente cette image, il y a une activité. Vous voyez, les molécules d'eau, elles sont activées parce que, enfin, elles ont changé leur alimentation parce qu'il y a plus de sang qui est arrivé. Donc, de temps en temps, spontanément, deux secondes avant, la région des visages est activée. Dans ce cas-là, la personne va dire « Ah, j'ai vu les visages ». Si par contre, deux secondes avant qu'on présente le stimulus, cette région n'est pas activée, vous voyez un vase. Voilà. Donc en fait, c'est l'état dans lequel se trouve votre cerveau avant qu'on vous présente le stimulus qui va vous dire ce que vous allez faire. Alors je ne vais pas vous présenter l'expérience suivante parce que ça nous prendrait trop de temps, mais sachez que d'autres expériences sont montrées. Par exemple, quand on montre des lettres qui défilent sur un écran toutes les demi-secondes, donc deux lettres par seconde, pour vous dire à un moment donné, quand vous avez envie d'appuyer, de sélectionner une lettre, vous appuyez sur un bouton. Et ce que l'on voit, c'est de façon inconsciente, 10 secondes avant que vous décidiez d'appuyer sur le bouton, votre cerveau a préparé la réponse, a choisi une lettre, a préparé votre cerveau à articuler la main pour répondre. Et vous, à un moment donné, vous choisissez une lettre, mais en fait, elle a été choisie 10 secondes avant par votre cerveau sans que vous le sachiez. Voilà. Donc vous voyez que le libre arbitre se discute.